Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et on se retrouve pour le troisième épisode, et oui, le troisième épisode de Tesla vs Lovecraft sur Nintendo Switch. Donc si t'as pas vu les deux premiers épisodes, vas-y go. Donc le premier, j'explique le jeu, et le deuxième, c'est tout simplement la suite. Ce que j'ai pas fait, et ça m'a été remonté par la communauté, c'est d'expliquer un peu ce menu là. Donc on va en faire un petit tour vite fait. Donc voilà, ça c'est les inventions et les objets. Voilà, donc je vais spoiler un petit peu, mais du coup, c'est ce que je devrais trouver dans la suite du jeu. Voilà, téléportation dimensionnelle, conducteur et tout ça, mais j'ai pas trop envie de me spoil pour éviter déjà de trouver par moi-même. Et ça, c'est les monstres qu'on a affrontés durant l'épisode 1 et 2. Donc voilà. Donc c'est super bien fait, je trouve, modélisé. C'est propre. Donc ça nous explique un peu ce que c'est. Donc moi, personnellement, hein, je vous le dis direct, je vous le recommande sur Nintendo Switch. Donc là, on va attaquer... On est toujours sur la première map, on y va tranquillement mais sûrement. Hop. Donc là on retrouve les bases, on est avec le mecha. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, bah on avait le mecha, là on le retrouve. Ok super. Bon là il va falloir que je retrouve. Hop. Donc là avec elle je me téléporte. Là j'ai trouvé une compétence, enfin j'ai trouvé, je vais me mettre une compétence. Là je joue comme une merde. Putain, la map elle est petite là. Wouah, j'ai mouru direct. Non mais, oh le bordel. Ça devient chaud. Donc Nico t'avais raison, hein. Ça devient vraiment vraiment chaud. Donc on va réessayer, on va adapter une nouvelle méthode. C'est le but du jeu. Là, j'aimerais bien trouver. Ah non, je peux pas. Voilà, il va me donner quoi? Boost de vitesse, tir de champ supplémentaire. Ouais. Je vais me faire détruire. Ah là il y a une petite bombe. Allez on va les amener. Voilà, nickel. Petite bombe Tesla, ça fait du bien. Allez, allez. Oh purée, c'est vraiment trop dur. Là il faut vraiment que je me cale, que je réfléchisse à un type d'action, parce que sinon je vais me planter. Et du coup le let's play va être à chier sur ce troisième épisode. Mais c'est pas grave, on est là pour tester, essayer tous ensemble. Mais Nico m'avait prévenu, il m'a fait tu vas voir, ça va devenir compliqué. Effectivement, il avait pas tort. Ça devient compliqué. Voilà. Là, il faudra que je trouve une autre arme, parce que sinon, je vais me faire... une armée de zombies quoi. Je suis en train de mourir là, mais un truc de dingue. Oh voilà, je vais mourir aussi hein. Ah bah ouais direct hein. Oh là là, comment c'est archi dur. Je sais même pas si je vais y arriver. Oh là là, le gameplay de merde que je vais vous proposer, c'est un truc de dingue. C'est un sketch hein. En plus la map est toute petite. Donc ah je me fais marave partout hein. Faut que j'utilise un peu plus la téléportation. Mais le mecha va pas me sauver là dans cette histoire hein. Ça c'est sûr. Ah je peux plus me téléporter hein, comme ça. Allez mecha prêt mais je suis déjà mort. Oh là là, ça devient vraiment raide. Je sais pas combien de fois je vais refaire le niveau là. Mais si je trouve pas une nouvelle stratégie. Ça devient vraiment compliqué.
truc. Hop, hop. Donc là, on a quoi? Je me fais défoncer, mais un truc de dingue. Alors, un peu de santé, ça me fera du bien. Hein. On va essayer de les amener là. Allez. Nickel. Par contre, si je pouvais avoir un peu de santé, ça m'arrangerait. Hein. Franchement, là, je dis pas non à la santé. Je pensais y être, mais là pas du tout. Oh, c'est un sketch total. Ouais, la débandade, mais direct quoi. Et je suis encore qu'à la première map. Hein. Imaginez la suite. Je sais pas ce que ça va donner pour le meilleur et pour le pire. Hop. Donc là, on va faire téléportation rapide, par exemple. Il y a rien à récupérer. Ah, là, si, là. Ah, il y a des petits bonus qui me servent à mort, là. Ah! Non, toujours pas. Ah, du coup, faut que je trouve vraiment. Là, c'est même pas un entonnoir, c'est vraiment un moyen de pouvoir niquer l'ensemble. Ah, il me faudra une bombe directe. Les étoiles s'aligneront dans 96 secondes, ok. Ah, oui, j'allais loin avec ça, moi. Comme de la double. Voilà. Oh là 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 là. Il y en a trop là. Il faudrait plus d'ennemis. Donc j'ai de l'XP, mais voilà quoi. J'augmente au fur et à mesure. Après, hein, c'est le principe des choses énormes. Par contre, plus de bonus sera le bienvenu, sincèrement. Ah bah là, c'est plus la santé qui va me falloir. Hein. De partout, mais ma santé elle est pas là, ça me saoule. Donc là, oh, j'avais de la défense, j'aurais pu. Faut vraiment que je prenne dans le jeu. Donc là, c'est le game de la loose. Donc, évidemment, hein, j'ai le mec là, ils viennent pas. On s'est bien croqué quand même. Hein. Là.
Ouais bah non là c'est mort. J'aurais bien aimé garder. Bon là je m'étais déjà défoncé là. Une petite bombe qui traîne là. Un boost de vitesse, on va améliorer la santé. Hein. Fils de dragon, ah ouais mais non c'est pas le moment là. Alors, boost de vitesse, santé améliorée. Allez hop, là c'est fait. Et voilà, niveau terminé. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'était un peu laborieux. On a passé une dizaine de minutes sur le niveau. Putain, qu'est-ce que c'était dur. C'était un truc de dingue, mais on a enfin réussi. Du coup, voilà. Donc, bonus. Ok, super. Méta amélioré. D'accord. Impeccable. Bon, bah, c'est bien, on y arrive tout doucement. Là, on a un point polyvalent, récupération, 30% de compétences. D'accord. Donc, là, on a les armes. Mais je sais pas ce que ça peut me donner, là, directement. En compétences, d'accord. Ça, c'est mes compétences, ok. Voyez, on continue, on va voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu, c'est archi laborieux, faut trouver la technique et tout. Et les ennemis deviennent de plus en plus durs, hein, pas à dire. Bon, moi, j'aime bien le mecha, mais faut pas se fier qu'au mecha. Oh, j'ai une arme de merde là. Si je trouve pas autre chose, je vais me faire niquer moi. Bon, là, il y a un petit peu plus d'espace pour jouer, donc c'est déjà mieux. Tout à l'heure, on était vraiment. Ça, c'est un niveau que j'ai déjà fait en plus. On va refaire. Que qu'on n'aura pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai rien dit. Voilà, attends, faut que j'appuie sur Y, voilà.
Hop. Là j'ai une défense, on va la prendre. C'est chaud là. Hein. Je prends de l'expérience mais... Ouais, des gros monstres et tout là. C'est de dingue. Le rechargement est un peu long, c'est dommage. Oula. Oh, j'ai perdu. Ah là 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 là. Non mais c'est un sketch, j'aurais bien voulu avoir le mecha là. Vous avez vu, c'est archi dur, on est que sur la première map. Ah ouais, là, c'est pas drôle. Voilà, meuf. Je vais avoir une arme, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait. Ouais, pas cette arme là non. Ah voilà, c'était un peu mieux là. Pour dégommer un petit peu plus. Oula. Je suis plus allé dans le gueule du loup pour chercher des armes. Ça me plaît pas trop. Il y a un entonnoir, c'est bon. Je vais perdre. Je vais attaquer de partout. Peut-être pas. Ah, si j'arrive à avoir la santé, nickel. Hop. Wow. Ah, ça y va là. Hein. Allez hop, nickel. Une petite bombe, ça fait du bien. Ça fait zizir. Venez par là, on y va en attaque. Oh, ça farde de tous les côtés là, c'est un truc de dingue. Oh, je me suis fait défoncer là. Oh, la mise à l'amende direct. Oh, il pue celui-là. Oh, il pue, c'est dégueulasse. Ah, et je me suis fait prendre par derrière là. Oh, vous avez vu là. Oh, c'était ça là. Avec le méca, c'est quand même mieux. Hein. Vous pouvez le garder à vitamine d'arène, ce sera quand même mieux. Oh, j'ai mon vieux pétard là. Au début, j'y galère. Hein. Eh, mais ils ont du mal à tuer. Ah, se tuer. Wow. Ah, voilà. De feu, nickel. Ça, ça va faire bien ça. Ah, si je pouvais les garder, mais non, c'est pas possible. Ah, c'est les gros là que j'attends là. Hop, 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 on y va. Mais là, c'est pas l'endroit que j'aime bien. Après, c'est en mode tunnel, donc ça va. Là. De ce niveau-là. Voilà, c'est un peu... Ça pue un peu, quand même, de se mettre comme ça. S'il y a personne qui vient sur le côté, c'est bon. Oula, oula, là, faut que je fasse attention. Oula. Oula là, c'est quoi ça? Oh, ça tue total là. Oh, vas-y.
ça tire un compliqué à gérer là. Oh, il y en a partout, ça devient ingérable. Oh, je vais me faire démonter là. Oh là là. Oh non, j'ai pas tué tout ce que je voulais. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh ouais, mais alors c'est chaud, hein. Franchement, terminer le... Ah, ça fait du bien par contre. Ça fait du bien où ça passe. Ah, je vais pas pouvoir prendre le soin, eh non, ça je le savais. Le soin, j'aurais dû le prendre, mais là c'était plus un bouclier. Mais ouais, c'est vraiment chaud, alors ça devient vraiment, vraiment compliqué. Allez. On s'en refait une petite, et après si j'y arrive pas, de toute façon on reprend le niveau ensemble. On est là pour ça. Par contre j'ai du mal à avoir le mecha, du coup ça m'a retardé. Ah c'est là que je perds un mort du temps, pour que je trouve une arme. Esquive, tiens, plus rapide. Ah, allez, dégage. Ça, ça fait mieux. Petit bullet time. Ouais, téléportation rapide. Ouais, là, ça me calme un montage. Allez, nickel. Ça a pas détruit le truc pour autant. C'est vraiment dommage. Il y en a combien qui viennent à chaque fois là? Vas-y, faut arrêter un moment. Ah ouais, d'accord. Pas tué grand monde là avec la bombe, tant pis. Voilà, ça va être mieux. Alors, projectile affûté. Oh, il y a des gros là.
Un tir rapide, chambre supplémentaire. Chaque rafale de tir. Vas-y. On y va, on attaque. On va faire les petits merdeux là. Merde. On va prendre de la santé là. Ça devient urgent. J'ai que de l'XP, j'ai pas de santé pour le moment, ça devient vraiment vraiment compliqué. Oh là 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 là. Ah bah non, là ça devient vraiment vraiment compliqué. Bon voilà, c'était tout pour le troisième épisode sur Tesla versus Lovecraft. On va en rester là pour le moment. On va se retrouver assez rapidement parce que je kiffe ce jeu et je veux le terminer avec vous. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Garde TV. Salut et suivez-nous. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.